Vous voulez savoir ce qu'il y a d'encore meilleur que tous les plus grands vins de Westeros? Une bonne vidéo de Killer Bee. Et c'est votre jour de chance. En voilà une qui commence. Alors abonnez-vous, cliquez sur la cloche et réagissez si vous ne voulez pas finir écrasé par un mammouth garou ou dévoré par un Tyrannoï. Les abeilles, aujourd'hui on reprend le concept des meilleurs cosplays avec un univers tellement puissant que je ne pouvais pas rester simplement sur les cosplayers que je connais personnellement. Donc on va parler ici de Square Enix. Et oui, pour une fois dans ma vie, je vais faire l'effort de ne pas dire Squaresoft parce qu'on aura aussi un personnage de chez Enix. Mais avant de commencer, j'aimerais passer directement aux mentions spéciales. Comme vous le savez, je parle principalement des cosplayers qui ont une page dans ce format. Et bien, pour l'introduction, je voulais commencer par ceux qui n'en ont pas, parce que c'est pour eux et grâce à eux que j'ai pu vivre des moments incroyables quand je cosplayais Tseng des Turks de Final Fantasy VII, à savoir le groupe les Final Fantasy Maniacs, devenu la FF Family. Alors voilà, on a Syndrome, Pew, Yami, Lily et Geoffrey qui sont, on va dire, le noyau dur, et nous allons parler de notre groupe avant de démarrer avec le personnage d'Enix. Syndrome faisait Rude ou Rudo, Pew cosplayait la nouvelle venue, à savoir Elena, Geoffrey le turbulent Reno, Yami faisait l'ex-membre Vincent, et Lily lui piquait le costume de temps en temps, sinon elle faisait Tifa. Vous l'aurez compris, j'avais le rôle du chef des Turks, Tseng. J'ai pu rencontrer Tetsuya Nomura, Amano et Nobuo Uematsu grâce à ce costume en différentes occasions. Je vous ai dit qu'il y aurait des personnages de chez Enix et on va d'ailleurs commencer par Irina Roumanoff dans son cosplay de Jessica Albert. La série Dragon Quest appartient à la marque Enix, donc forcément c'est un peu l'intrus dans la soupe, mais il fallait que je vous montre ce superbe costume. Irina rend superbement ses lettres de marque à Jessica, à savoir la dualité de ce personnage qui est assez compliqué à exprimer. D'un côté pure et innocente, de l'autre une véritable rebelle sournoise et perfide aux formes enjôleuses. Mais surtout, le meilleur point de ce costume, c'est la tenue. Jessica vient de la noble famille Albert, elle a un certain standing à respecter, mais elle n'en tient absolument pas rigueur et joue les bohémiennes guerrières. Je trouve que tout est représenté sur ces photos de Sizel, Rorensu Atagi, Wenbin, Tenhaku et Michio. Ça rend vraiment superbement bien et surtout au niveau des teintes du tissu. On change de registre et on s'attaque à l'un des plus gros classiques du action RPG. Et pour ça, direction l'Allemagne avec la Purim de Naoko Cosplay. Secret of Mana est un jeu magnifique et mon personnage préféré est l'insolent Popoy, mais je n'en connaissais pas, donc j'ai opté pour Naoko Cosplay en Purim alias la fille. Là encore, nous avons une princesse guerrière venue cette fois du désert oriental. N'oublions pas que ce jeu était représenté à l'ECG par l'Allemagne, l'ECG étant la plus grande compétition européenne de cosplay. Ces photos sont signées Ragnara Photo. L'immersion dans l'ambiance du jeu est totalement réussie et je vois bien sa Purim nous sortir une magie de dernière minute à l'image de celle de nos souvenirs d'enfance. On passe à la championne de France, Minali dans son costume de Kairi de Kingdom Hearts. Ce costume lui va superbement bien et a été créé par Demonia Galaxia. Ça va vous paraître bizarre, mais je vais vous demander de vous attarder sur son regard. Son air est tellement identique à celui de Kairi. On va voir d'ailleurs plus tard que c'est un exercice assez compliqué à réaliser, mais je vous dis vraiment, concentrez-vous sur l'œil, sur le regard et un peu sur la wig. La wig est très très intéressante aussi. J'aime beaucoup le décor choisi. Rendre un personnage, enfin réussir plutôt un personnage aussi central que Kairi, c'est pas toujours évident. Et comme je disais, la wig y joue beaucoup en plus des teintes du costume ici. Pour poursuivre sur Kingdom Hearts, regardez-moi cette superbe Aqua. Cette Keyblade est superbe et je suis tombé totalement in love de ce cosplay. C'est un véritable coup de cœur. Les teintes de la photo, enfin des photos plutôt, parce qu'il y en a plusieurs, et avec des ambiances totalement différentes. Mais voilà, toutes ces ambiances, on les retrouve dans le jeu. Même l'idée d'intégrer Stitch est totalement parfaite. Il s'agit donc du coup de Dragomira Cosplay. Et c'est vraiment génial, génial. Les photos sont de P&S Photographie et de Willy Blabla. On passe à une légende internationale, la Lulu de Yaya Han. Cette fille est d'une gentillesse sans égale et d'une très grande discrétion en plus. On était invité à Avignon Geek Expo ensemble pour la deuxième édition. Elle est connue dans le monde entier, tout comme Jessica Nigri, dont elle est la binôme assez fréquemment d'ailleurs. Mais voilà, on va parler de sa Lulu parce que c'est du très très lourd. C'est un personnage emblématique de FF10 et tout le côté mystique lié aux arts occultes du vaudouisme qu'on retrouve chez la gardienne est également présent dans les moindres détails chez Yaya Han. Le côté tragiquement sexy de la veuve est également très bien retranscrit, ce qui nous lie le costume et le roleplay d'une façon très très agréable. Puisqu'on aborde Final Fantasy X, autant y rester encore un petit peu en parlant cette fois d'un jeune homme
pour que tout le monde en fait ait de quoi se rincer l'œil, pas que nous. Je me souviens d'une Japan Expo où je cosplayais Sangohan en guerrier intergalactique et lui faisait Mirai Trunks. C'était je crois en 2011, un truc comme ça. Je vous présente Leon Kiro. Son Tidus est incroyable. Il en avait d'autres de Final Fantasy, mais je trouvais que le cadre devait absolument être montré ici. On se croirait vraiment sur l'île de Besaïd à attendre un navire albed. Les crédits photos, c'est pour Walter Pellegrini et il y en a deux autres aussi qu'on va vous montrer tout de suite. Sur la première, on peut voir Tidus en pleine partie de Blitzball. C'est vraiment incroyablement réaliste et j'en profite pour faire une dédicace à Zach qui nous avait fait une vidéo sur le Blitzball ici même. Pour la dernière, il s'agit d'une reconstitution de la scène finale où Tidus se retrouve dans l'eau. Encore une fois, c'est juste superbe. Parlons du papa de Tidus avec Jekt de Elfie Cosplay. À l'époque où j'étais cosplayer, c'était simplement le modèle que je prenais sur les cosplays que je réalisais. Je me disais voilà, tout était très bien retranscrit. Tous ces personnages en fait étaient très bien retranscrits et donc voilà, Elfie Cosplay, j'étais archi fan et surtout de son Jekt en fait. Je trouve qu'il a cette classe des pêcheurs des îles à l'ancienne un peu. Encore une fois, le cadre est super important puisqu'il colle à la peau du personnage et ajoute à l'immersion du spectateur. Je sais pas si c'est du plastazote ou du tapis de sol, mais du Warbla, ça m'étonnerait vraiment beaucoup pour l'époque. Par contre, regardez bien la façon qu'il a de transformer la matière sur cette partie d'armure. C'est vraiment du grand art. Le make-up le vieillit assez et lui donne un air d'homme de la mer à la peau, on va dire, abîmé par le sel, l'eau et le vent. C'est vraiment génial, méga bzz. On va passer à l'un des membres de notre équipe Final Fantasy VII, j'ai nommé Seven Star Cosplay. Alors, il faisait Cloud dans notre groupe, mais on est avant tout là pour parler de son côté destructeur de l'humanité. J'ai nommé Kuja. Tout y est, Kuja est complexé, perdu, androgyne, puissant, en quête de pouvoir et lassé. Et bien sur ces photos de Michael Maz, tous ces éléments sont représentés. Le régicide entre en transe sur ces images, donc avec les cheveux rouges, etc. Et sa dangerosité froide est assez déstabilisante, tellement qu'elle y est bien représentée. La difficulté de faire un effet de mascotte pour la queue est très importante. D'ailleurs, la queue est un élément très important du personnage de Kuja, puisqu'il la cache refusant de montrer un peu ses origines. Chapeau l'artiste, et pourtant c'est l'un de ses très vieux cosplays, donc c'est encore beaucoup mieux aujourd'hui à les voir sur sa page. Puisqu'on est en train de faire un compte à rebours sur les antagonistes, on va poursuivre avec le 8, et les deux sorcières Ultimecia et Edea, des cosplayeuses Altea et Shrimpy. Elles aussi, elles étaient membres du groupe Final Fantasy, elles y faisaient Tifa et Aerys. Aujourd'hui, elles sont très souvent sur scène pour des shows, mais analysons d'abord leur costume. La sorcière du futur, Ultimecia. Elle se démarque principalement grâce au make-up, mais n'oublions pas le travail conséquent sur la wig également. Regardez, elle est composée d'ailleurs, il y a plusieurs étapes sur cette wig, c'est vraiment très intéressant. L'armature des ailes a également dû être compliquée à réaliser. C'est toujours un véritable défi ce genre de truc. De toute façon, le choix du tissu est également très intéressant, comme le reste. J'ai vraiment beaucoup trop de trucs à dire sur ce costume, tellement que le travail est précis. Passons maintenant à la possédée Edea. On est réellement sur un travail de dingue au niveau de l'armature derrière et voilà, surtout de l'incroyable couronne. Je suis pas sûr que vous y verrez tous les détails en vidéo, mais bien sûr tous les liens sont en description pour les retrouver, donc je vous conseille vraiment de faire un zoom sur cette couronne. Ensuite on a ce tissu et ces merveilleuses griffes, ça donne un effet lycra très particulier, moulant quand il le faut mais sachant également être plus ample sur le bas du costume. C'est vraiment un travail de génie. Autant vous savez que j'ai énormément de mal avec Final Fantasy VIII, autant ces deux cosplays ne peuvent que forcer l'admiration. Ce duo est incroyable. Les crédits photos vont à Ferune, Joyce Photography et Studio 68. On aurait pu croire que je passerais directement au 7 dans ce compte à rebours, mais non. J'en ai déjà beaucoup parlé, alors le 7 attendra un peu. On va s'attarder sur le 13 avec mon personnage préféré. J'ai nommé Orba Dia Vanille. Elle est campée cette fois par Barba Papa H Cosplay. La Elsie de Pulse et Barba Papa se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Le côté enfant paumé mais toujours souriante de Vanille se retrouve dans ses photos, ainsi que le côté rêveuse au passé trouble. Alors les photos sont de El Kashir, Miss Boo, Sébastien Gougouras et Kirbin. Avant de passer au prochain FF, on va parler de Nozo et de sa Serra. J'ai pas trouvé de duo Serra-Snow assez intéressant, alors que c'est mon second personnage préféré, Snow, hein, mais voilà. Parlons de Nozo. Son visage d'ange colle parfaitement à la sauveuse de Cocoon. Et les lentilles jouent un rôle incroyable pour maintenir cette ambiance en réalité. Comme Serra, Nozo peut se montrer très violente parfois. Certains de mes os peuvent encore en témoigner après ces longues années qui nous unissent.
Plus sérieusement, le côté angélique y est, mais j'aimerais bien la voir sous son visage de Elsie lors d'un prochain shooting un jour. Par exemple avec la marque de la tache des falsies, mais aussi sous sa forme de cristal qui est très intéressante. Les photos sont de Song Riku et de Loïc Ambrosini. Poursuivons avec le 15. J'aurais pu parler de la Luna Freya de Miss Industrial Paradox, mais je trouve ça dommage de vous parler d'elle tout de suite. On attendra une prochaine vidéo pour un autre cosplay. Du coup, on va parler de Kureru et de sa superbe Cindy. Un personnage récurrent de l'univers du jeu puisqu'il s'agit de la petite fille du mécanicien royal Cid qui a voyagé avec Régis autrefois. C'est aussi un personnage emblématique pour les joueurs et je pensais vraiment pas trouver un cosplay assez fidèle d'elle quand je me suis mis en tête de faire cette vidéo. Je connais Kureru depuis des années, vraiment depuis ses débuts, donc en regardant sa page pour la préparation des prochaines vidéos, je m'attendais vraiment pas à tomber sur elle. Je pensais plutôt, voilà, si c'était un truc FF, je m'attendais plutôt à Lightning ou peut-être Sera, mais quand j'ai vu ça, j'ai directement décidé de l'intégrer. Le cosplay part de lui-même ainsi que le background style mécano de campagne sur son tracteur, c'est vraiment du pur génie. Je vais donc finir avec le 7 en parlant aussi de deux personnes qui, enfin aussi et surtout en fait de deux personnes qui m'ont aidé à écrire cette vidéo. Je pense à Aokiji Cosplay qui m'a parlé par exemple de quelques pages dont de la prochaine dont on va parler. Lui cosplayait du coup Gladiolus que vous allez voir à mon avis là que je vais afficher. Et en deuxième une cosplayeuse dont on parlera juste après. Allison Tabitha est incroyable, vraiment incroyable. Incroyable. Grâce au make-up, elle arrive à se transformer en qui elle veut. Et c'est le cas cette fois pour son crossplay de Vincent Valentine. Un crossplay est un cosplay du sexe opposé, à ne pas confondre avec un genderbender qui est un cosplay de personnage dont le sexe a été changé. Bref, elle arrive réellement à se mettre dans la peau de n'importe qui et le côté Tim Burton qu'elle ajoute à Vincent, qui est mon personnage jouable préféré, et mon deuxième perso de tout FF7, le premier étant 5 bien sûr. Ce côté Burton sur le make-up rajoute une dimension incroyable au personnage du manoir de la Shinra. Alors on dirait réellement la figurine de collection sortie avec Dirge of Cerberus, et je sais pas où je l'ai mise sinon je vous l'aurais montré, mais voilà, c'est réellement la même. D'ailleurs vous pouvez la voir sur des anciennes vidéos ici. On va finir du coup par Pecor Cosplay, ça c'est le surnom que je lui donne, mais il s'agit de Fire Dax. Elle est la seconde personne à m'avoir apporté son aide pour cette vidéo, et on va parler de sa Tifa. Greyman et Kairou pour les photos. Bref, les boobs ne font pas tout sur ce cosplay, il faut aussi un regard digne de Tifa. Les yeux sont super importants dans FF7, pour le Mako principalement, mais aussi pour des personnages comme Vincent. Avec une proto-materia, etc. Son regard a été modifié. D'ailleurs, je sais pas s'il avait de naissance ou pas, mais les yeux rouges, c'était important pour lui. Bref, sur Tifa, avec ses yeux noisettes, on pourrait penser que c'est qu'un détail, mais non, pas du tout. La preuve ici, les accessoires avec les gants équipés de deux materia, le protège-coude aussi, très important, tout ça, ça ajoute à l'ambiance. Parlons justement de cette ambiance. Sur la photo aux teintes bleutées, on pourrait se croire directement dans la tour Shinra, cette immense gratte-ciel qu'on a parcouru ensemble sur un live récemment. Sur la photo aux teintes orangées, je me vois clairement dans le CD3 pendant que le météore de la materia noire s'abat sur le monde. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo. Tous les liens seront en description, donc pour les photos, les cosplayers, peut-être même pour ceux qui ont fourni les cosplays, je vais voir, c'est un travail de fou aussi à faire ça. Bref, n'oublie pas de t'abonner. Vas-y, abonne-toi, enfin j'attends, c'est là en fait. Voilà, non, là, voilà. Maintenant, un pouce en l'air, donc c'est là, à côté, ouais, quelque part par là, là tu vois, en dessous, voilà. Maintenant, tu viens me suivre sur les réseaux sociaux, surtout sur Insta, donc ça va s'afficher, par DM ou en commentaire ici pour me dire ce que tu attends de ce format, et les cosplayers que tu aimerais voir aussi, pas forcément leur cosplay directement, mais leur page, que je puisse aller voir un peu directement ce qu'ils font. Allez, bisous les abeilles, et à très vite. Ici Nicky Larson, je vous donne une mission extrêmement particulière. Abonnez-vous à la chaîne Killer Bee, c'est la meilleure. Et c'est surtout que c'est rempli de jolies filles et je n'en peux plus. Oh non, pas la massue, pas la massue.